Le plateau vidéo du village des recruteurs ici pour cette seconde édition Place de la République en plein air avec un magnifique soleil et beaucoup de personnes, de demandeurs d'emploi qui sont là, tout comme les recruteurs. Et c'est le cas aujourd'hui avec Camille Ludens. Vous êtes chargée de recrutement itinérant chez Noz. Vous êtes déjà venue l'année dernière, on va en parler dans un instant. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter d'abord ce qu'est Noz? Tout à fait. Donc l'univers Noz, en fait, c'est une enseigne de déstockage. Donc on a à peu près 305 magasins à l'heure actuelle, 306 depuis mardi, 308 au 23 avril. Félicitations. Merci. Et donc on continue d'ouvrir une quinzaine de magasins par an. Notre cœur de métier, c'est avant tout les achats. Donc on achète des produits à la fois en Europe, puisqu'on est leader européen sur les achats, avec pour ambition de devenir leader mondial forcément dans les années à venir. On a un magasin sur Dijon ici même, donc sur Marsannay, pour les personnes qui ne connaissent pas. Et ensuite, on a une vingtaine de magasins sur la région Bourgogne. Donc moi, je recrute effectivement des profils employés, adjoints de magasins, responsables itinérants sur la Bourgogne, la Franche-Comté, et je descends même sur le Rhône-Alpes-Auvergne. Oui, c'est vous qui recrutez dans cette entreprise dynamique. On l'a dit, quasiment 15 ouvertures par an. C'est quand même une belle évolution. Alors justement, cette année, un petit axe stratégique qui change un petit peu, qui casse un peu les codes, tout comme le village des recruteurs, c'est ce fameux recrutement sans CV. Et parlez-nous un petit peu de tout ça. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, dans nos axes stratégiques, forcément, pour devenir leader mondial, on a développé différents projets, dont pour se démarquer, en fait. Voilà, pour se démarquer et puis aussi pour recruter des profils intéressants, pertinents, qui ont envie de participer à l'aventure Noz. Donc, au niveau du développement des compétences RH, on a mis en place différents projets. Donc, ça passe par une première phase de recrutement. On organise depuis 2 ans maintenant des journées marketing, donc avec 30-40 candidats convoqués qui passent la journée sur le siège. Ils ont différents entretiens, alors sur la personnalité, ils ont du sketching, ils ont de la mise en situation. Donc quelque chose d'assez ludique. L'idée, c'est de voir au-delà du CV, au-delà d'un diplôme, vraiment ce qu'ils peuvent dégager, ce qu'ils peuvent nous montrer, ce qu'ils peuvent nous apporter aussi. Donc ça, c'est pour le côté marketing. On a développé depuis le dernier trimestre 2018 l'opportunité. Donc l'opportunité, c'est un concept assez novateur. C'est finalement un recrutement sans CV. C'est-à-dire qu'on fait une communication. Les seules deux compétences qu'on demande, c'est parler une langue étrangère. Donc minimum le français et une seconde langue. Ça peut être l'anglais, le chinois, le mandarin, le thaïlandais, ce que vous voulez, l'espagnol. Puisqu'on a de forts besoins de recrutement à l'international. Donc on va au-delà de chercher des compétences de négociateur, déjà des compétences linguistiques. Mmh. Donc pareil, ils sont invités sur une journée, ils s'inscrivent, on les invite au siège, on fait une présentation de la société pour savoir un petit peu quand même dans quoi ils s'embarquent. Et on fait ensuite des mises en situation, sketching, voilà, on a des petits jeux, fromage ou dessert, ou partir en vacances, pour voir un petit peu les compétences de chacun en termes de négociation sur des sujets finalement de la vie de tous les jours. Alors, village des recruteurs, deuxième participation, pourquoi c'est important pour vous d'être ici? Pour nous, c'est important puisqu'on essaye aussi de développer notre image, donc de se faire connaître déjà en tant qu'enseigne, en tant que magasin, et puis aussi faire savoir qu'au niveau des recrutements, on est ouvert à des profils différents. On recrute sans diplôme particulier. On recherche plutôt un savoir-être, un état d'esprit. Aujourd'hui, on travaille aussi beaucoup sur l'entrepreneuriat, alors sur un esprit entrepreneurial, hein, puisque nos magasins sont tous en nom propre. Mais c'est aussi savoir dire que finalement, tout le monde a sa place, qu'au-delà d'un CV, on essaye d'aller plus loin. On recherche des personnes qui ont envie de s'investir, qui ont un savoir-être, qui correspond à nos valeurs et qui ont envie de s'embarquer aussi dans l'aventure nosienne avec nous, avec la totalité des équipes. Alors, on le voit, vous êtes engagé dans l'emploi et surtout tourner vers demain, finalement, sans forcément avoir un CV. Ça sera sûrement l'objet aussi de votre Campus D, qui sera dédié aux alternants. Expliquez-nous un petit peu cette journée aussi que vous organisez vous-même. Alors, le Campus Day, il a lieu mercredi prochain. Donc, c'est pareil, c'est un événement qu'on a créé il y a 1 ou 2 ans. On contacte différentes écoles. Alors, c'est plutôt basé au siège du côté de Laval, mais on contacte les écoles du bassin de l'emploi là-bas. Et en fait, on les convoque sur une journée pour qu'ils puissent rencontrer à la fois des chargés de recrutement, mais surtout des opérationnels. C'est-à-dire que la personne qui cherche une alternance dans le marketing, dans le commerce, va finalement rencontrer potentiellement son futur maître de stage, son futur maître d'apprentissage. Donc on attend pour l'instant environ 130 personnes sur cet événement. Et puis forcément les inscriptions sont toujours ouvertes. Pour ceux qui seraient intéressés, donc il y a le site internet nozrecrute.com sur lequel il y a toutes les informations. Tout attaché, nozrecrute.com, tout en minuscule, tout attaché, avec toutes les informations et puis forcément le lien vers l'inscription. Aujourd'hui, je reviens rapidement sur aujourd'hui, combien de postes vous recherchez particulièrement? Alors moi sur la Bourgogne, j'ai 2 à 3 postes de responsable magasin itinérant. Donc il faut être quand même prêt à bouger du lundi au vendredi, du mardi au samedi. Mm-hmm. C'est vraiment une fonction où on apprend énormément au niveau managérial, au niveau gestion de conflits, gestion d'équipe. On recherche également des postes en logistique pour notre plateforme de logistique sur Panil Château.
pas très loin de Dijon. Et puis après, on est ouvert à des personnes qui souhaitent déménager ou qui sont mobiles au niveau national sur des fonctions commerciales, marketing, magasins également, responsables régionaux, parce qu'on est toujours à la recherche de nouveaux talents. Vous l'aurez compris, hein, NOS est une entreprise dynamique tournée vers l'avenir et qui vous ouvre les bras en plus. Tout à fait. Voilà. On est tout à fait ouvert à vous accueillir. Donc n'hésitez pas à venir nous voir aujourd'hui ou sur le site internet, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, nosrecrute.com. C'est parfait. Merci beaucoup en tout cas, Camille. Une interview, bien sûr, à retrouver sur notre page Facebook, Le Village des Recruteurs. Toute la journée, on donne la parole aux recruteurs.